Alors moi, je ne sais pas d'idée. Encore de la gelée. Je peux enfin utiliser ma ceinture noire comme il se doit. Ne perdez pas espoir. Bob et Patrick à la rescousse. Maintenant, je sais pourquoi ils appellent ça des limousines extra longues. Elles sont extra. Tu penses que Sandy est passé par là? J'ai jamais eu l'impression qu'elle était le genre d'écureuil à être fan du tapis rouge. Heureusement que j'ai mis une couche supplémentaire de gloss éponge aujourd'hui. Je m'attendais vraiment à quelqu'un de plus grand pour ce rôle, mais tout le monde me paraît petit. Désolée, est-ce que je parle trop? C'est mon premier jour et je suis vraiment nerveuse! Le tournage commence dans 1 minute et 58 secondes. Non, 50... Ah, tant pis, 50... Dépêche-toi! Statistiquement parlant, les assistants du réalisateur sont remerciés au bout de 0,87 jours. Je dois faire mieux. Allez, allez, par ici! Il n'est pas du genre patient, ni compréhensif, ni du genre gentil. Ok. J'arrive pas à croire que c'est ça l'acteur principal. Prenez une photo pour immortaliser ce désastre. Oh!
Waouh! Ils prennent des photos de nous! Est-ce qu'on est dans le film? Oh, est-ce que j'ai l'air assez bouffi? Je viens de me faire gonfler. Signe mon biceps! Signe-le! L'accès à cette zone est limité. Les photobombes sont interdites. J'espère que je n'aurai pas l'air trop bouffé sur ces photos. Là. Rendez-vous vite à la sortie ou je vais me faire virer. Le réalisateur vous attend. Hein? Comment t'es arrivé si vite ici? Elle est sûrement passée devant tout le monde, Patrick. J'attends. Comme ça. Oui, moi non plus. Je rentre chez moi. Hey, mon gars, c'est pour les acteurs principaux ici. Dans cette zone, mon pote. Moyen d'ouvrir cette porte. Oh, je vois un bouton. Il est dans la cage. Oh, tu veux dire ce grand gaillard à l'air mauvais qui nous regarde fixement?
caméra. Et celle-ci, ce qui pourrait m'agacer sur les oreilles. Je crois que c'est un plateau de tournage, Patrick. Alors, il est où le buffet? Je meurs de faim. C'est très démodé de se faire attendre. Mets-toi vite en place. C'est Carlo, le réalisateur. C'est un visionnaire. Et hop. Ce comédien médiocre, que c'est de l'agence morfilée? Je leur ai promis de l'art et c'est comme ça qu'ils me remercient. J'ai demandé un héros, pas une petite guimauve jaune. Tu arrêterais ici en passant trop de temps dans un jacuzzi? Ah. Bonjour, monsieur le réalisateur, je suis Bob l'éponge. Le tournage commence dans 9, 8, 7, très bientôt. Ces abrutis d'oursins du casting ne peuvent donc pas comprendre que je leur permets de faire partie de ce qui va à coup sûr être le plus grand événement cinématographique des océans. Mais ne perds pas espoir. Moi, j'ai encore le talent pour faire de toi un magnifique outil de destruction. Oh, super! Dans cette scène, tu dois te frayer un chemin dans les rues de la ville infestée par des gangsters. Et ne sors pas du champ. Et action! C'est parti pour les villes!
juste goûter un tout petit peu, s'il te plaît. Tu dois te frayer un chemin dans les rues de la ville infestée par des gangs. C'est quoi ? Bonjour, monsieur le réalisateur. Dans cette scène. Et action ! Je crois qu'il a perdu son pantalon. Dans cette scène, tu dois te frayer un chemin dans les rues de la ville. Et action ! Tu penses que ça a quel goût ? Let's go.
crois... J'ai demandé... Dans cette scène, tu dois... Et... action! Ce comédien, dans cette scène, tu dois... Et action! Ce comédien, dans cette scène, tu dois... Et action!
réalisateur a l'air plus stressé que notre scénario. Tu ne peux pas. C'est une magie indestructible grâce à la gelée que tu récupères pour ma... notre cause. Madame Cassandra, vous êtes sûre que c'est ici qu'on va trouver Sandy? Le portail vous a amené exactement là où vous devez être. Ne résiste pas à l'univers de la gelée. Au lieu de ça, prends-la, conserve-la et ramène-la-moi. En plus, la gelée m'a murmuré que tu as un peu d'expérience dans le commerce. Ton derrière carré n'a pas envie de se retrouver à nouveau sous le feu des projecteurs? Vous avez raison. Si ça veut dire sauver Sandy et le monde, alors je dois mettre tout mon cœur carré dans mon jeu d'acteur. Merci, Madame Cassandra. On a tellement de chance d'avoir Madame Cassandra pour nous aider. Qu'est-ce qu'elle est altruiste? Mon meilleur ami. Oh non, pas la vase. Thank you.
j'avais voulu voir un trouillard courir partout, je serais en train de réaliser le trouillard en fuite 2, comme mon agent me l'avait suggéré. C'est un film de karaté. Mais il va falloir que je fasse avec ce que j'ai, on dirait. Commençons par quelque chose de simple. Un coup de pied. Pour vraiment prouver que tu sais comment incarner un grand héros du karaté, je t'ai préparé un petit défi. Sur les toits de la ville. Maintenant, ouvre cette porte d'un coup de pied et fonce! Je propose qu'on... Ouah! Donne le coup d'envoi! Je veux juste goûter un tout petit peu, s'il te plaît. Jamais tombé. Me semble encore plus spongieux que d'habitude. J'espère que Cassandra a raison et que toutes ces bagarres nous mèneront à Sandy. Thank you.
Ces petits ont l'air rapides et affamés. Oui, on a ça en commun. Je pense qu'on va avoir besoin de cette partie pour passer un côté. Oh non, pas encore. Mes arrières. Un petit peu de gélatine, et voilà. Un plat de roi pour vos émois.
petit jaune spongieux. Il y a des tas de paparazzi cachés sur ce plateau qui veulent entacher la réputation du réalisateur en capturant le côté louche de sa méthode de travail. Qui n'existe pas, évidemment. Ce serait bien si vous pouviez les distraire en leur en mettant plein la vue. Je vais me rendre encore plus photogénique. Bien parti. Monsieur l'éponge, l'agent de sécurité va vous laisser passer maintenant. Quelqu'un a dû s'occuper des paparazzi. Tu peux passer maintenant. Quelqu'un a dû s'occuper des paparazzi. Tu peux passer, ma...
Un vrai Karate King doit avoir le véritable réflexe de chat. Je sens que je vais avoir un éclair de génie. Ah, que j'ai trouvé le buffet. C'est bénévole dans la boîte. T'es droit à affûter tes réflexes. Lorsque l'un d'eux fera semblant de s'échapper, frappe-le. Ça va pas les blesser. C'est légalement impossible. Leur contrat stipule clairement qu'ils ne peuvent pas être blessés. Oui, c'est logique. Mais attendez, Patrick n'a pas signé de contrat. Quoi ? Oh, très bien. Ne le frappe pas quand il apparaît, c'est tout. Ça te permettra de tester ta concentration. Alors maintenant, vas-y, on perd du temps précieux sous les projecteurs. Et action ! Il faut que j'envoie valser l'équipe à coups de pied. Oh, j'espère que je vais pas leur faire de mal. Non, regarde, ils adorent ça. Eh ben d'accord, faire des films, c'est vraiment un drôle de processus. Tu veux. Tu n'es pas totalement inutile tant que tu restes en mouvement. Maintenant, retourne dans les rues. Le prochain bout d'essai va commencer. File ! Cette scène, ton ennemi juré a tenté de braquer une banque et a semé la pagaille. Des passants innocents se sont retrouvés coincés dans le sol et ont besoin de leur héros. Crois-le ou non, il s'agit de toi. Sauve-les avant la fin du temps imparti. Action ! Un malfaiteur a enfoui des gens sous des gravats. Qui a fait ça ? C'était pas moi, Bob ! Je le jure ! Neptune soit loué. Je n'ai pas douté de toi une seule seconde, mon vieux. Sortez-moi de là ! Je dois rentrer chez moi pour regarder l'homme sirène. Oh, merci ! Je pourrais t'embrasser ! Mange mes chaussures ! Merci, je pourrais t'embrasser. C'était une autre fois, en fait.
À l'aide! Sauvé. C'est tout. On va recommencer un de ces jours. Aidez-moi. Je suis pas blessé, mais je m'ennuie. J'arrive pas à croire que tu m'aies sauvé. Enfin, regarde-moi. Aidez-moi! Je suis pas blessé, mais je m'ennuie! J'arrive pas à croire que tu m'aies sauvé! Enfin, regarde-toi! Génie, ta performance est devenue tolérable. Maintenant, va prendre des poses héroïques de karatéka pour la presse. C'est mon job de m'assurer que les célébrités sont protégées de toutes sortes de fous furieux. Ton boulot a l'air vraiment intéressant. Je crois que je me lasserai jamais de te regarder travailler. Merci. Ne te laisse pas non plus envahir par ton personnage. Souviens-toi de ta raison d'être ici, pour récupérer de la gelée. Vous vouliez pas dire pour sauver Sandy? Oui, bien sûr. Et sauver ton ami écureuil. Si tu veux convaincre mon public que tu es le vrai Karate King, il faut que tu sois aussi rapide qu'un léopard. Ou, un guépard? Peu importe. Saute dans le bateau rouge et poursuis ton ennemi juré. Mais je n'ai pas le permis! Pose ton derrière spongieux dans un véhicule que tu es autorisé à conduire et fonce! C'est tout gluant. Thank you.
aussi un véhicule, Bob l'éponge. Tous les films ont besoin d'une bonne... Des pédales antidérapantes, y a pas de douche, elle est cool. J'ai trouvé mon carrosse. J'ai failli oublier de le dire. Les dangers sont réels et on n'a pris aucune mesure de précaution pour maximiser l'effet dramatique. Et action. Aïe. Les sonner dans un ordre spécifique. Donne des coups de pied dedans. Ah,
déjà beaucoup mieux. Habitants en détresse? Karaté Bob à la rescousse! Si on doit combattre à nouveau ces types engelés, j'espère qu'on pourra utiliser des cascadeurs! Je pensais que ce film serait une catastrophe, mais le réalisateur a sorti le grand jeu. Ces figurants engelés m'ont tabassé de manière très convaincante. Eh bien, nous, les comédiens, nous prenons notre travail très au sérieux. Et son choix pour le méchant? Waouh! Je n'ai fait que l'apercevoir. Ça, c'est un animal sauvage comme j'en ai jamais vu. Ce jardin zen est tellement amusant. Écoute, espèce de fromage parlant, tu n'es pas payé en visibilité pour papoter. Si tu veux convaincre mon public que tu es le véritable Karate King, tu ferais mieux de faire quelques acrobaties impressionnantes. Maintenant, cours sur le toit du gratte-ciel pour entrer dans la forteresse de ton ennemi juré. Je pourrais pas simplement prendre l'ascenseur? Non! Et action! C'est bien ça, c'est tout glu. Je savais que je pouvais compter sur toi, Patrick. Okay.
Il marchait probablement avant, mais plus maintenant. Doit avoir un super professeur de karaté. C'est tout gluant. Le métier de cascadeur implique de faire des courses-poursuites dangereuses sur les toits de la ville. Tu devrais essayer de battre ton record. Ça ferait bien sur ta bande démo. D'accord. Je savais que je pouvais compter sur toi, Patrick. C'est tout gluant. Technique parfaite. Ça devrait couvrir mes arrières. Les meilleurs amis sont faits pour ça, non?
ouvrir mes arrières. Leurs amis sont faits pour ça, non? Peut-être des pâtes ? Les meilleurs amis sont faits pour ça, non ? Je suis prêt à surfer. Thank you.
regarde, c'est Sandy. Enfin... Regarde, c'est Sandy. Eh bien, si c'est pas l'éponge que l'on appelle Bob et son énorme coéquipier ballonné Patrick sur le seuil de ma porte... En fait, on est arrivé par le toit. Ah oui, eh ben c'est au travers du plancher que vous allez repartir. Parce que je suis d'une humeur massacrante, d'une humeur cara-e-ya. Personne ne regarde un film pour ses dialogues. Mon public exige de la couleur et du mouvement convergent en conflit visuel. Je veux du boom bang, pas du blablabla. Alors maintenant, jette-moi ce stupide script. Y'a un script? Et action. Ah, fini les frottements. Cette explosion t'a provoqué une commotion? T'as pensé à signer la décharge, hein? J'aurais jamais cru que tu réussirais, mais c'était absolument incroyable! Et j'envisage déjà une suite. Que dis-je? Une trilogie! Commençons à tourner immédiatement! Lumière! Caméra! Son! On reprend du début, tout le monde! Et...
Merci pour ton aide, Bob. Avec plaisir, Sandy. Mais il reste encore beaucoup de choses à rectifier. À bientôt. Je suis heureux que Sandy et sa drôle de maison soient revenus. Mais moi aussi, je veux récupérer ma maison. Je comprends, mon pote. Oh, je parie. Je sais que je devrais être à l'intérieur avec nos résidents, mais ils ont découvert une nouvelle station de radio et sont devenus fous. Rien ne les calme. D'habitude, j'ai toujours des biscuits chinois sur moi pour les urgences de ce genre. Les craquements les apaisent. Malheureusement pour moi, les biscuits ont tous disparu dans le chaos de la ville. Allez, Patrick, on va les trouver, ces biscuits extra-lucides. Quelle vitesse! Avec... Bikini Bottom n'a jamais été aussi belle. Même recouverte de mystérieuses gelées cosmiques, Madame Cassandra, aidez-nous, s'il vous plaît. Il faut qu'on retrouve ma maison. Sans elle, je ne suis qu'une simple éponge parlante. Désolée, l'éponge, je suis juste un peu préoccupée par la réparation de la toile de l'univers que vous avez fait exploser. Madame Cassandra, vous pouvez nous aider à réparer ma maison, s'il vous plaît? Bien sûr, dès qu'on aura remis en ordre ta ville, tes amis, l'ordre cosmique des choses. Oh, ma belle maison! Et un délicieux ananas. Tiens, prends donc ce costume cosmique pour traverser le portail. Yo-ho! Quel est le fromage préféré des pirates? Le camembert? Oh, je me posais la question. Oui, je connais beaucoup de choses. Bon bah la suite plus tard. Attends. Je savais que je pouvais compter sur toi, Patrick. Bon bah, à la suite, à plus tard, ciao ciao.